Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Crusader Kings 3, notre World Conquest, mais un moment difficile à passer, beaucoup beaucoup de choses à faire. Ça va être très calme. Ça va être presque très calme, puisqu'on va faire une conquête compliquée, mais nécessaire. Alors, on va parler de plusieurs choses. Les premières choses, c'est que les titres d'empereur, c'est à double tranchant. C'est un bénéfice pour nous, ça nous permet d'avoir plus de levées, plus d'opinions et plus d'impôts sur les terres qui y correspondent. Mais en même temps, on a toujours la menace que par un vote ou par une mauvaise succession, ça parte ailleurs et ça fasse sécession. Là, c'est ce qui est en train d'arriver, puisque l'Empire de Tartarie, je n'arrive pas à convaincre les gens de voter pour mon fils. En conséquence, on va devoir le détruire. Pour le détruire, il faut d'abord détruire le vote. Et là, en l'occurrence, si je détruis le vote, comme c'est mon fils, mon héritier, l'Empire devrait lui revenir, puisque les autres sont en vote, ils sont exclus du partage. Il n'y a donc qu'un seul empire qui est en partage. Comme c'est la haute partition, le premier empire non-vote devrait lui revenir. Si ce n'est pas le cas, il faudra aller jusqu'à le détruire. 1500 pour créer un vote sur un titre, 1500 pour détruire le vote en prestige, 1200 pour détruire le titre lui-même, donc ça ferait 2700 pour le détruire. Après tout, le prestige nous sert aussi beaucoup à ça. Un coup on crée les titres, un coup on les enlève, en fonction de nos besoins. Tout ce qui compte, c'est qu'on ait l'Empire mongol. On a aussi la possibilité, donc évidemment à partir de maintenant, de faire une chaîne, une succession normale, héréditaire, avec des personnes qui seront améliorées. Mais ce que l'on cherche, nous, et ce que l'on pourrait obtenir, notamment grâce à, pas elle, mais sa sœur, elle, jolie, intelligente, certes, mais mariée à un herculéen, s'il transmet le gène herculéen et qu'elle transmet soit jolie, soit, je crois que, je sais pas ce qu'il y a en dessous, beau, non, c'est pas beau, c'est pas magnifique non plus, je sais pas, un titre en dessous pour dire jolie, soit intelligente en dessous, c'est vif. Donc si elle transmet ces deux-là, même à un moindre niveau, et que lui transmet herculéen, par contre, au niveau 3, alors on aura un potentiel candidat pour améliorer la lignée. Vous l'avez ici, renforcé la lignée, ce qui permet d'avoir dans le sang probabilité d'hériter de bons traits congénitaux plus 40%, probabilité de bons traits congénitaux plus de nouveaux bons traits plus 400%. Et ça, c'est vraiment la classe. Donc ça, c'est vraiment la classe et c'est ce qu'il faut avoir parce qu'après, c'est génétique ce truc-là. Hein, c'est notre lignée qui est là, c'est la dynastie. Et ça, c'est valable pour tous les membres de la dynastie, pas que nous, pas que notre descendance. Tous les membres de la dynastie vont l'avoir. Problème suivant, nous ne sommes plus le leader ici dynastique parce qu'on n'est pas meilleur que lui militairement. Donc on va essayer de faire un vrai domaine et de booster notre domaine pour reprendre le contrôle là-dessus. Après, il est 100% sûr qu'il le prenne sans convergent dès qu'il pourra. Hein, quand c'est l'IA, il continue sur la voie que vous avez prise. Il n'en prend pas un autre. D'ailleurs, il l'aurait pris depuis longtemps s'il avait dû faire ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste que pour l'instant je ne peux pas déshériter en attendant. On va se faire un domaine, mais un domaine tribal. Donc il faut trouver une zone tribale où on pourra installer un bon domaine. Eh bien j'ai choisi la Suède, je vais installer mon domaine là-bas, tout en gardant évidemment les deux petites terres qui m'intéressent ici, là, Pataliputra et Gaïa. Voilà, les autres on peut s'en débarrasser. Alors ça c'est une fausse terre à nous, puisqu'on ne l'a pas vraiment, c'est celle, voilà, on a preneur à bail, la grande maîtresse, ça c'est l'ordre sacré. Et Mugdagiri, on pourra s'en débarrasser. Il faut qu'on évite à tout prix de devenir féodal. Dommage, ça aurait été bien, on aurait pu faire avoir les éléphants et tout, mais il faut à tout prix éviter de devenir féodal parce qu'on perdrait notre casus belli, notre super casus belli. La première chose que l'on doit faire absolument, c'est embaucher. Comme il y a la peste, il faut embaucher un médecin. Alors, j'ai vu que je pourrais vendre ces deux-là, mais pas les autres, donc pour l'instant, les autres, je les garde. On va ensuite, avec l'argent, faire des titres pour avoir du prestige et embaucher un médecin. On va déclarer la guerre à ce monsieur. Invasion mongole. Changer l'objectif. Royaume de Suède. Voyons, on va essayer d'avoir tout ça confirmé. Déclarer la guerre. Nous allons maintenant nous déplacer ici. Tout d'abord, non, pas ça, non, pitié, pas ça. Ça va, c'est des hommes d'armes, je peux les disperser. Bon, bah, du coup, j'ai mon drapeau, ça y est, je le cherchais. C'est ça le truc en fait, chercher mon drapeau. Et donc là, on fait tout lever, voilà, ici, et on embauche l'ordre, c'est gratuit.
recruter sans frais parce que c'est nous qui l'avons fondée, donc il n'y a pas de souci. Je rappelle que comme nous sommes nordiques, devenir nordique n'avait pas que vocation à nous donner ce vote. Hein. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ça avait une énorme vocation hyper importante qui est d'avoir les drakkars. Déverrouille la capacité pillage dont j'ai absolument rien à faire, mais surtout la capacité à naviguer sur les fleuves majeurs. Là, vous voyez, je peux monter en bateau, hein, si je souhaite. Hein. Hop, là, vous voyez. Et me déplacer à toute vitesse. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on va faire pour aller sur la capitale du monsieur. Alors, je peux naviguer sur les fleuves, mais pas que. Mais pas que. Coût d'embarquement, moins 75% et vitesse navale, plus 25%. C'est juste ultime. Voilà pourquoi devenir nordique, qui que vous soyez, quand que vous soyez, et ben, au début, c'est un tout petit peu un gros plus si vous êtes tribal. Hein. Et c'est pas dur, hein. On prend une terre quelconque, on en fait sa capitale, on devient nordique, et après, on dit à tout le monde, devenez nordique. Voilà, voilà. Et tôt ou tard, quand j'aurai pris le royaume de Sète, c'est moi qui vais devenir ici assez facilement le chef culturel, et je pourrais choisir ce qu'on va faire. Sauf que, très clairement, le registre avec la limite de domaine plus 1, c'est ce que j'aurais choisi de toute façon. Très bien. On fait popper tout ça, et maintenant, on va aller faire les méchants. Mince, mon fils. Bah moi j'attendais l'argent. On va faire venir un médecin justement. Hop là. On va supprimer ça. On va le faire venir ailleurs. Ça, c'est ceux que j'attaque. Donc on va aller se battre contre eux. À compter dans le besoin. Gestion méticuleuse. Opinion populaire plus 30. Trouble réprimé. Ça serait bien ça. Non, la rentabilité, j'en ai vraiment pas besoin. Un médecin de la cour. 16, je le prends. C'est Suktoy. Hein. Alors, c'est pour qui ça? C'est une de mes filles. Elle a qu'un seul talent. Pas de traitement. Mon fils, agissez avec prudence. C'est lui que je veux, pas lui. Et toi, c'est quoi la blague? Quand est-ce que tu décides à progresser? Oh mince! Ah bah ça commence mal. Mon fils héritier est mort. Voilà, qui va évidemment tout changer encore une fois. Un nouvel atout. Oh, attends, attends, ils grandissent vite. Elle, c'est très bien, vive, mais je m'en moque un peu. Donc mon héritier maintenant, c'est lui. Lui, il a deux talents, mais il n'a pas jambes, il l'a sûrement en génétique cachée. Il va falloir voter, on va voter pour lui. Hein. Pour l'instant, c'est plus simple pour moi de voter pour l'héritier. Alors là, je vais prendre ici architecte. Et on va partir en martialité avec du contrôle. Beaucoup de contrôle, j'en aurai besoin puisque je vais prendre un énorme domaine que je n'avais pas avant. 4000. On va aller ici. Et on va voter encore pour mon héritier. Alors évidemment, j'aurais préféré que ce soit ma fille qui ait le potentiel pour faire le bon héritier avec tous les talents, etc. qu'il faut. Mais quand on y pense, elle-même n'a pas tout ce qu'il faut. Donc elle n'est pas plus utile finalement que n'importe qui. Tant qu'on n'a pas débloqué. Je cherche un titre long là. Comme ça, que leur père, mon héritier. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le petit dernier, mais je crois que le petit dernier il est mauvais comme tout. Il est beau, mais c'est tout. Pas de traitement. On a 7 personnes dans la famille. Hein. On a le bonus max ici. Hein, 108 plus 2.
Donc on n'a pas besoin que tout le monde se reproduise dans tous les sens, surtout ceux qui n'ont pas le double truc. Et pour l'instant j'en ai qu'un, j'ai qu'une fille sur laquelle je compte beaucoup. Alors ça c'est mon petit-fils héritier, là par contre, on va le soigner. On va se faire un ennemi, c'est très bon ça. Ça enlève du stress, on se fait un rival, et quand le rival meurt, eh ben, on est heureux comme tout. Donc c'est très très bon d'avoir des rivaux. Donc on va aller ici. Quoi? Ah, tu vas le prendre par là, très très drôle. Voilà, donc là, et ensuite, ici. Voilà, tout l'intérêt. Comme ça, on croisera personne. Et ici. Nous, on va venir se mettre sur les terres ici. On veut des prisonniers. Beaucoup de prisonniers. Bon, bah, elle est morte. C'est parfait. Bon, les ouf, on arrête ça. Et on va aller se coller. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, le bateau. Voilà. Mince, mon petit-fils héritier. Bon. Ça complique. Qui est l'héritière maintenant? C'est elle? Bah oui, ça c'est stressant. Donc du coup, là par contre, je vais soutenir ma fille qui est à la fois jolie, intelligente et mariée avec quelqu'un qui a le talent, mais qui n'est pas mon héritière. En espérant qu'elle ait un enfant qui ait les traits qu'il faut, auquel cas j'essaierai probablement de soutenir en direct son enfant d'ailleurs. Ah, lui, il est nordique, c'est parfait. Absolument parfait. Du coup, je te retire ton tuteur. Ça, c'est le petit. Viens là, toi. Celui-là. Ça est en train de se passer assez mal. Ah, ça va beaucoup mieux. On a découvert les mottes, c'est super. Et maintenant, la fascination secondaire va où? On sait pas encore. En faisant ça, donc en payant. J'évite de me taper le la petite tête noire. Et regardez, je suis déjà arrivé ici. Ça a été rapide. Eh ben, partial, lâche, paresseux, c'est mieux d'être partial. Mais t'es encore kirghize. Ah bah ok. Effondrement mental. Charité, non. Je confesse mes trucs, aveux troublants. Non, non, on va cumuler un peu de stress, ça va aller. Allez, la maladie est terminée. Bon, du coup. Le problème, c'est que ma seconde fille n'est pas mon héritière. Ah si, cet autre titre, oui, mais on perd plein de titres, on perd plein de choses, hein, c'est ça. Hein.
Voilà, on perd 9, 9 trucs qui vont être répartis. On a déjà le royaume de Mongolie, le royaume de Touva, et le titre du grand royaume de Mongolie, le royaume de Dungari, le grand royaume de Tartarie. On est mal barré là. Elle est l'hérite de certains trucs. Bon. C'est quoi elle? Marie-toi avec un génie ou un herculéen plutôt. Un génie. Il y en a. Ou un magnifique, ça serait mieux. Très bien. Voilà. Peut transférer des gens. Karatsik, elle est en train de se marier. Les élections, on y retournera un petit peu plus tard. Voilà, les prisonniers. 25 pour 140, non? Excellent travail, Usur. D'accord, pour la paix, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Ici, on peut maintenant se déplacer. Un qui va ici. Et un qui va prendre le bateau, qui va aller là-bas. Donc un qui va... Elle est ici. Et l'autre qui va aller. D'accord. Bon bah. Ici. Tellement rapide le bateau. Le présage. Bon présage pendant 10 ans. Cool. Bah c'est bon signe pour moi. On vient d'essayer de m'assassiner. Bah c'est plutôt un mauvais présage, ça. Je sais pas, faut voir. Ok, toi c'est pareil. J'ai plus besoin de te tutorer. Alors ma fille là, elle vient d'avoir un fils qui est magnifique. C'est pas du tout ce que je voulais. Ou juste beau d'ailleurs, si ça se trouve. La capitale, 59. C'est tout, guère plus. Hein. Mince alors. Oh là, eh ben là, je me fais cartonner en plus. Voilà qui est déplaisant. On va leur courir après. M'attaque, c'est très bien. Ouch, 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 c'est pas vrai. Double défaite. Alors là, j'y croyais vraiment pas à ça. Très bien. T'es sans importance. On va renflouer tout ça. Et pendant ce temps-là, on prend des châteaux. De plus en plus de châteaux. Là, on se renforce. Il a quand même que 1400 troupes.
Ok, on va déplacer ici. Alors, extorquer les sujets, ça c'est plutôt une très bonne chose. Ainsi que organiser un banquet. Très bien. Et on va aussi rançonner ce qu'on peut. Comme par exemple ça. Et on va créer des duchés. Par exemple, comme d'eau. Ruthénie. Non, c'est un royaume ça. Autant. Très bien. 1500. Donc. Allons maintenant voir nos titres. Qu'est-ce que c'est que ça? Le grand royaume de Khazari qui a été créé? Il va à Sévilay? Bah Sévilay, c'est celle que je veux, justement. Tartarie, supprimer la loi. Non, du coup, il va à qui? Sévilay et celui-là, au chapelain Gull. Bon, D'accord, oui, parce que c'est mon héritière, donc elle a le premier empire non voté. Quant aux empires votés, pour l'instant, il y en a un qui va à Sévilay, l'empire mongol. Il n'a pas le choix. Par contre, le grand royaume de Mongolie, ils n'ont pas voulu voter pour moi. Cinquième. Eh, vous exagérez quand même. Toi, t'as 11 votes, toi. Mais c'est qui ça, mon frère? C'est quoi ça? T'es marié à une naine? Franchement, moi je fais tout un travail sur la génétique. On se demande pourquoi je bosse autant, quoi. Allez hop, file-moi du fric. Et là, faudrait inviter des gens. T'es pas un peu cher, bourgmestre machin, là? Qu'est-ce que je fais? Mince. Ça y est, maintenant on conteste mon lignage. Ça va être de pire en pire. Ouais, j'adore les amitiés, c'est très bien. Bon, ça, c'est une chance de réussir. C'est une chance de réussir. Il héritera que dalle, lui. Quand je dis qu'on vote pour quelqu'un, c'est qu'on vote pour quelqu'un. Merci de ne pas comprendre de travers mes instructions. Prisonnier capturé, très bien, mais dehors de quel siège? Dans de celui-ci. On va retourner faire celui-là. Non, on va se mettre ici plutôt. Alors, on me fait chanter. Non, merci. C'est quelle fille? Héritage contesté. Eh ben on s'en fiche. Hein? De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Avec qui je l'ai eu moi-même, je m'en souviens pas. Ah, sans convergent. Voyez, il l'a pris. Il l'a pris dès qu'il a pu. Donc pas d'inquiétude. Et ça va nous aider beaucoup. Parce que plus 30% de chance d'avoir des bons traits. Et plus 30% de chance, je vous le remonte, j'ai peut-être été un tout petit peu vite. Probabilité d'accentuation des traits congénitaux plus 30%. Voilà. Donc d'accentuation carrément maintenant. Voilà qui est beau. Bah voilà, bah elle se casse maintenant. Elle est malheureuse.
Elle n'est pas la fille de tu sais qui. 78%, c'est toujours pas ça, hein. On peut venir là. Là, on va aller là, nous. Alors, des prisonniers peuvent être rançonnés. 37, c'est toujours passé. Et ça fait beaucoup. Mince. Qu'est-ce qu'on va gagner là-bas? Allez chasser, on y va. On a besoin d'un maximum de prestige. Trop de duchés, c'est pas grave. Donc pour l'instant, ça va à Séville. Ça va au chapelain. Et ça va à Jalaga. Le deuxième titre ici, je pense qu'il faut que je le détruise. Pour le détruire, il faut que j'en crée d'autres. Ah, mon premier atout martial, ça sera Bellum Justum. Qui me servira à avoir les Casus Belli maintenant divisé par deux. Abattra l'animal. Ben voilà. Encore du prestige. Et encore du prestige. Abordé. Allez, le roi. C'est dur. C'est très dur qu'il soit mort. Mais du coup, j'ai plus de maréchal. Ni tes maréchal. Ben voilà. Ensuite, ici. Où on en est de ces votes? C'est incroyable. Ce retournement, ce revirement de situation. Succession. Alors, l'Empire mongol, il n'y a pas de vote. Hein. Et ici, elle est septième maintenant. Mon frère. Mon cousin, ma nièce, en gros, c'est tout le monde sauf moi, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle hériterait pas ça que je comprends pas? Ah, elle hérite de l'autre, du grand royaume de Tartarie. Oui, parce que j'ai enlevé le vote. On va retirer le vote aussi. À moins qu'elle ne fasse un autre enfant. Parce que celui-là, il est misérable, on va dire. Voilà. Allez, ça sera bientôt fini. Alors, vous obtenez trait attaquant agressif. Logisticien. Commandant polyvalent. J'aime bien le logisticien de mémoire. Hein. Ça, c'est bon, ça. Commandant polyvalent, j'aime beaucoup. Avantage décisif de l'ennemi. Hop, divisé par deux. Bien sûr que si, c'est mon ami. Quoi? Quelqu'un n'est plus mon ami? Ah bah non, il va falloir que je laisse tomber quelqu'un. C'est mon ami celle-là, Mutlu. Je peux pas laisser la tomber. Ça, c'est un penseur clément. Il a pas de titre. Ouais, c'est Kedum qui est plus mon ami. Certainement pas ma maître espionne en tout cas. Alors.
Elle se termine cette guerre ou pas? C'est quoi ces 4000 hommes là? C'est quoi ces 7000 hommes? Cette guerre ne finira jamais. Ah bah ils ont disparu. Allez hop. Viens d'ici. On va condamner. Voilà, ici. On va tout simplement mettre moi. Mais c'est quoi cette troupe là? Bien. On perd du pourcentage. Pourquoi est-ce que je perds du pourcentage? La cible de guerre? Faut que j'aille chercher le royaume de Suède. Bon, on y va. Là, on est en train de se faire étrangler par l'attrition. Des prisonniers. Aslog 76 sur 200, non. 114, oui, pour un petit gamin. Faut y aller, toi. Arrête avec tes 21 mois restants. Il y a 2000 gars. C'est qui ce bonhomme là? Ah bah si, c'est mon ennemi. 97. Ah bah mince, maintenant c'est mon mari. Bah j'en change pas tout de suite. Pas le temps là. T'as gagné. C'est à moi. Et du coup, je suis en guerre contre les Finlandais. Je pense qu'on va pouvoir régler ça vite fait. Nommer un successeur. Hop là. Ah, pour le royaume de Suède maintenant, parce que c'est un titre électif. Bah oui. Donc ici, on a combien de trucs à moins là? Un ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, donc déjà je vais prendre ces 7 qui sont là. Je pourrais peut-être prendre Bergsladen en plus. Combien de titres à Bergsladen? 4, ça ferait 11.
Ça fait beaucoup. Là, j'en aurais 7. Si je prends ça, plus 1 là, je pourrais toujours récupérer cela là. Ça ferait 8 si je garde celui-là. Je pense qu'on va faire ça. En temps de guerre, bien entendu. Ma fille. Toi. Tu es héritière du grand royaume de Khazarie. Mais c'est à toi que je voudrais donner ça. Ah oui, des titres, certes. Ensuite, là. Non. Ah, c'est Bergladen du coup. Et puis là-haut. C'est quand même surprenant ça. C'est vraiment comme ça? Ah oui. On va lui donner ça comme capitale d'abord. Ah bah non, on a un vassal ici. Noral. Quoique non, on pourrait lui donner ici. C'est très connu. Séville. Je l'accorde à Séville. Ensuite ici. Voilà. Et tout le reste, c'est pour moi. Nouvelle taille 17. Il y a encore un peu de boulot avant qu'on arrive à 0. Et pourtant, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus les deux que je veux là-bas. Ici. Je voudrais l'accorder à quelqu'un qui soit pas titré. Mon frère. Voilà. Donc je voudrais garder ces deux-là et je voudrais me débarrasser de tout ça. Tout ça, je vais donner à mon autre fille. C'est la capitale. Voilà. Et comme ça, c'est la capitale, pour l'instant, je peux pas l'enlever. Ensuite, au conseil, il me faut une nouvelle maître espionne. Ça devrait faire l'affaire. Même pas beaucoup. Autre, influencé. Voyons maintenant. Je ne suis pas marié, certes, mais d'abord on a des problèmes de titre. Ce titre-là va à la grande chefesse Bekaïm Abgul. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Bekaïm, c'est qui? C'est elle? Voilà, ça c'est la première. Et il n'est pas question qu'elle ait de Khazari. Ici, c'est Séville. Ça, c'est la princesse Bermette. La princesse Bermette? C'est elle qui va l'avoir. Ma nièce. Avec 54 votes, 46. Et en fait, il n'y a personne qui vote pour moi. Donc on va devoir supprimer l'élection du grand titre de Mongolie. Et on va supprimer tous les autres titres. On en a pour une quantité de prestige assez phénoménale, mais c'est pas grave.
Très bien. Trop de duchés possédés, en effet. Et c'est peut-être pour ça que ça vote pas pour moi. Donc on va d'abord faire ça. Bergladen, ma chère Sévillais, je t'ai donné les titres. C'est pas ces titres-là qui sont venus, c'est Camdo. Camdo, je vais le filer à elle. Mon autre fille. Même si c'est pas dans sa zone, elle va se débrouiller avec. Autant. Alors, autant par contre. Ça va aller à Zetsu. Ma soeur. Qui m'en voudra sûrement moins une fois que je lui aurai donné. Voilà, elle faisait la gueule parce qu'elle ne l'avait pas. Bakar. Bakar. Ça va à Pratihara. Il me fait la tête et dès que je lui aurai donné, il sera content. Voilà. Bien, bien, bien. Du coup, les élections, on regardera ce que ça donne. Il faut quand même que je me marie avec quelqu'un de magnifique, pourquoi pas. Moi, je suis intelligent. Herculin, c'était bien, mais magnifique, c'est bien aussi. J'ai mon concubin qui est magnifique. Je vais le garder. Quitte à perdre du prestige. Celui qui a le plus d'intendance, c'est lui. Je vais prendre le vieux là. Et en soin, ensuite. Ni comment lui. Il a aucun talent. On rejette. Lui. Il est robuste, c'est déjà ça. Lui, il est magnifique et sorcier. Ah, sorcier! Ça, c'est chouette. On aimerait bien être sorcier. Élection en cours au royaume de Suède. Ouais. C'est ma fille qui est élue, c'est parfait. Vu qu'elle vote pour elle et que je vote pour elle. C'est pas un problème. Quoi d'autre? Négocier une alliance avec elle, ça tombe bien. Prendre encore un concubin. Non, merci. Acheter du prestige. Ouais, on va le faire. Non, ça c'est un royaume. Voilà, on achète un peu de prestige. Donc on a dit qu'on allait détruire ce titre. Le Khazari. Hop. Merci. On a 900. On va bientôt enlever les élections sur l'un des autres. Je pense. Donc là c'est pour Jusevillet. Grand homme de Mongolie. Et c'est elle qui héritera de Tartarie pendant que moi je récupérerai Mongolie, je pense a priori. C'est ce qu'il faut faire. Faut juste que je détruise ça et que j'enlève le. Encore 2700 pour enlever ça, mais ça va vite. Hein. Ça va très vite. Le fric va vite, ça va vite. Et on va attaquer dès demain. Les Safarides. Les Taïrides. Je pense. Hein. Voyons, voyons. Taïrides, Safarides. Et puis peut-être ici Katuri. Histoire de valider un lieu saint supplémentaire. Dernière chose que je devrais faire ici. Il y a des lieux saints ici, là. Voilà. Hop, toi. Je voudrais exiger ta conversion. Je pense pas qu'ils voudront bien se convertir, mais bon, on sait jamais. On ne sait jamais. Bon, j'ai mon nouveau domaine. Pour l'instant, il n'est pas encore bien en place. Notamment, il faudra de l'argent et du prestige pour l'augmenter, pour reprendre le contrôle de ma maison. Il va falloir s'assurer être un peu plus en contrôle de l'héritage. Hein. En même temps, ça se passe bien. Hein. Ça ne nous a pas ralenti. Vous voyez,
ce qu'on a fait, c'est pour le contrôle de l'héritage, en même temps, on a conquis un royaume. En faisant attention et en éliminant la peste, on a perdu notre héritier, qui était notre fils, qui était pourtant fort sympathique, et son fils lui-même. Mais on a une héritière qui est en capacité. Ah non, toujours pas. Beau, intelligent. Beau. Voilà, qui est dommage. Allez, fais-moi d'autres, fais-moi d'autres, fais-moi un avec ton herculéen de mari. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite.